Donc, par où on va commencer? L'axe, tout percé. Tu vas comprendre pourquoi. Pour le montage, c'est tout simple. Faut que je trouve le bon roulement, forcément. Premier roulement. Sortie pignon. Hop, on va y arriver. Non, on va pas y arriver. Tu montes l'axe. Le pignon. Et tu visse. Voilà. Faut que lui soit bien plaqué. Voilà. Ensuite, je fais dans cet ordre, mais voilà. C'est-il pas beau quand ça tourne? Donc, les colsons, tu peux les garder. Il n'y a pas besoin de clips. Du coup, ça tiendra. Tu peux monter directement comme ça. Pour l'ordre de montage, on va voir ce qu'on peut faire. Parce que je ne m'en souviens plus. Donc, je pense le mieux à faire, tu montes la platine. Juste deux vis, manière à... Hop, voilà. Ensuite, moteur. C'est un peu la même merde à passer, mais ça passe. On va y arriver. Voilà, allez.
Donc voilà, donc tu montes le premier moteur, tu ne serres pas trop. Ça coulisse. Ensuite, tu mets la couronne. L'axe. Et le pignon. Tu règles ton entre-dents. Tu bloques une vis. On est pas mal. Tu sors le pignon. Tu sors la couronne. Tu sors ça. Tu bloques tes moteurs. Ensuite, que les réfléchissent. On prend lui. Je l'ai perdu. Et voilà. Donc là, les deux petits méplats. Ok, donc ensuite, tu montes ici. Tu peux bloquer. Ensuite, tu remontes la platine. À partir de là, tu montes tes pignons. Tu mets juste en place, t'as pas besoin de les serrer. Bon, c'est par ici. Voilà, c'est pas la bonne vis parce que je l'ai oublié au boulot. Mais bon, pour le montage, pour te montrer, ça suffit. Il n'y a pas de problème. Ça monte. Ensuite, c'est par où, c'est par où, c'est par là.
forcément je vois que dalle. Là. Là, ensuite, du coup, tu règles ta hauteur de pignon. On passe vraiment à ras, mais ça passe. Magie, il y a tout qui tourne. Ensuite, bon ben, remontage, tu remets les deux clips. Les petits caches qui vont bien. Dans l'appareil, la visserie, tu changeras parce que je vais avec ça. Jamais qu'une, mais bon, il n'y a pas besoin de plus. Et voilà, le bébé assemblé.